Rebonjour. Alors maintenant, mes boissons. Impératif, l'eau. Alors, 9,5. Je ne descends pas en dessous de 8,8. Il y a des gros galons qui font 8,8, qui coûtent 3 $ pour le galon. Et vous voyez donc toujours très raisonnable. Pour donner un peu de goût, de l'eau gazeuse cette fois-ci. Alors j'essaye de la prendre, bien sûr j'évite de descendre en dessous de 7,5 et je fais moitié-moitié avec mon eau à 9. Voilà, après le lait d'amande. Le lait d'amande, alors celui-là il a de saveur vanille, 35 calories, c'est parfait. Ça aussi vous pouvez l'acheter en pack, je crois de 6, et ça revient beaucoup beaucoup moins cher. Toutes ces précisions pour tous les gens qui me disent, je l'ai dit dans la précédente vidéo, oui mais il faut être riche pour faire ce que vous faites. Eh ben non, c'est pas vrai du tout, la preuve. Et en plus de ça, rappelez-vous, vous ne mangez qu'une fois par jour. Donc, et vous buvez maximum ça, 250 centilitres dans la journée. Voilà. Alors, je mets dans mon eau du thé vert. Alors ça, je vous conseille de l'acheter, le matcha en poudre. Alors celui-là, effectivement, est beaucoup plus cher que le thé en sachet. Mais le thé en sachet, il faudrait que vous en buviez une dizaine de tasses, alors qu'ici, vous pouvez un peu plus le doser et vous n'en avez qu'une seule. Alors dedans, qu'est-ce que je mets? Je mets du curcuma, turmeric. Je mets... du gingembre, et de temps à autre, quand je veux un goût un peu plus sucré, ça c'est du turmeric aussi, je mets de la cannelle. Voilà, alors un coup j'ai un lait turmeric, c'est très bon. Il ne faut jamais oublier, quand vous mettez du turmeric, de rajouter le poivre moulu, parce que vous avez peut-être vu sur internet des gens qui disent ouais mais ça sert à rien, vous achetez des trucs qui servent à rien, parce que c'est immédiatement éliminé par votre estomac. C'est vrai, sauf quand vous adjoignez le poivre, et à ce moment-là, c'est 200 fois plus longtemps. Donc, il a le temps de faire ses effets. Alors, qu'est-ce que je rajoute encore? Ça, bien sûr, on en parle tout le temps, les Nigella sativa ou cumin noir. Donc ça, j'en prends une cuillère parce que c'est... Je vois vraiment pas où on peut le mettre, des fois un peu dans la salade, mais aucun intérêt gustatif, je parle, intérêt énorme, paraît-il, pour le cancer. Voilà, j'ai toutes sortes et comment ça s'appelle, de suppléments, d'assaisonnements différents, vous voyez. Donc alors. Garlic. J'achète chaque fois qu'il y a que j'en trouve. Voilà, bouquet garni pour viande, ça c'est pas pour moi, ça c'est à mon épouse. La poudre d'oignon. Enfin tout ça, voilà, tout ça, absolument tout ça, ça se rajoute. Voilà, avec le poivre. Donc, je résume, boisson, je ne bois que deux choses. Eau gazeuse. Eau plate, que je, ça c'est ma quantité, et une fois avec du lait d'amande pour renforcer mes os, et une fois avec de l'eau quand je n'ai envie que d'eau. Voilà, en plus de ça, si vraiment j'ai soif et que je veux pas trop exagérer, je vais, je vais pas vous le montrer, vous savez ce que c'est qu'un glaçon. Je prends la barquette, je mets un peu de lait d'amande ou d'eau gazeuse avec tout ça dedans,
et ça me fait un glaçon, ça dure longtemps et j'ai pas bu trop. Voilà, surtout si on veut être dans le cadre d'un jeûne à peu près sec. À peu près sec en ce qui me concerne. J'arrive à tenir facilement une dizaine de jours. Mais dès que mon urine devient sombre, vous êtes au stade de la déshydratation. Donc je n'attends pas. Donc je bois même ce que j'appelle jeûne sec. Je bois un petit fond comme ça dans la journée, ne serait-ce que pour avaler mes 35 pilules. Voilà. J'ai tout ça, si, je ne sais pas si vous les voyez, celle-là aussi. Mais bon, tous les soirs, la corvée, c'est 35 pilules. Voilà, donc il me faut quand même un tout petit peu d'eau. Eh bien écoutez, je pense que pour cette deuxième vidéo de la journée, on a passé en revue la nourriture. Dans celle-là, on a passé en revue les boissons. Et maintenant, très controversé, le sport. À tout de suite.